va aller dans le canyon. Dans le canyon où on a balancé machin. Qui c'était? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il nous voulait? Je ne sais pas. Rien de spécial. Tu l'as tué? Installer God of War, j'espère, parce que en fait je suis en train de jouer dessus, donc. T'aurais pu mourir. Ne me laisse plus jamais seul, d'accord? D'accord. Ouais, vas-y, je suis le dieu de la guerre quand même. Mourir. Il est marrant, gamin. Au cours de notre voyage, nous devrons affronter de nombreuses créatures. Ignore leur désespoir. Ferme ton cœur à leur souffrance. Tu ne dois pas ressentir de pitié pour eux. Ils n'en auront pas pour toi. Est-ce qu'on croisera des gens sur la route? Oui. Gentil? Non. Ils essaieront de nous détrousser? Peut-être bien. Détrousser, pas seulement. Ils essaieront de nous étriper. Alors, heureux? Oh, nice. Regarde. Depuis tout ce temps, la forêt tout entière était protégée par un symbole. Mais... le symbole est brisé, là. C'est toi qui les as coupés. Elle avait marqué les arbres qu'elle voulait pour son bûcher. Pourquoi elle a fait ça? Viens. Trop tard pour les regrets. Il y a beaucoup de drogueurs ici! La violence. On y est presque. Plus que deux. Donnez-les trois soufflets. What the hell? Comment c'était? Tu peux t'aider? Si tu veux m'aider, fais diversion. Voilà la montagne. Allons-y. Attends. Accroche-toi! Vite! Ça va bien se passer! Je glisse! Reste calme! J'y suis presque! That's my boy! Oh no, my boy! Ah, c'est la merde! C'était pas si mal! On se croirait. Calme, toi! Ton empressement nous tuera! On se croirait dans le truc de Silent Hill! Désolé! Oh shit! Oh, encore des drogas. Mais ceux-là bougent pas. Ils sont morts. Enfin, plus morts. Touche pas. Atreus. Ils sont pas morts, ils sont pas morts. N'oublie pas, la précision avant la vitesse. Yeah, c'est comme ça qu'on fait. Arrache ton cœur, arrache ta tête. Moi je suis un peu une merde à la lunette. J'ai pas trop encore compris le principe. Ouais, ça a touché. C'était le dernier. C'était mieux. Prends encore plus ton temps. Il y a quelque chose là-haut. J'arrêtais pas de crever. Allez ta gueule. Ah, ça fait moins le malin. Ah, bah non, ça fait... Père, tu es en train de mourir. Non, non, mais restez loin de moi. Je t'ai vu, celui qui est passé à droite, là. Ouais, tue mon gosse, ouais, fais ça. Bon, je l'ai jamais voulu, ce machin. Ouais, mais casse-toi, toi. Putain. Regarde, ça. Allez, crève. Allez, ça dégueule. Voilà, c'est passé, ce passage. Une ouverture? Oui, non mais je sais! Oh, tu entends? Qu'est-ce que c'est?
On verra bien. Ça, je reconnais, ça, c'est Tante Marie, ça. On s'approche du champ bizarre, alors? Ouais, ouais. On va droit dedans. C'est quoi ce... Arrête de casser les couilles. Mais pas pour tes flèches. Faut le taper avec les flèches. Ça te fait rien. Ouais, on l'a niqué. C'était une vraie revenue. J'aurais jamais pensé en voir une de si près. Si on pouvait rester le plus loin possible de nous, ce serait quand même cool. Pas juste sauter, ah voilà. Je comprends toujours pas pourquoi cet homme t'a attaqué devant chez nous. Je te l'ai déjà dit, je ne sais pas non plus. Et même si je le savais, je te le dirais pas. Et ça pourquoi, bah, vraiment... Ça, c'est excellent pour se faire des bains de boue, gamin. Avec ta mère, on en faisait des bains de boue. C'était le bon vieux temps. Et je peux te dire qu'à la fin, on n'était pas seulement couverts de boue. Ah, si tu vois ce que je veux dire. Tu sais, Atreus, ta mère me disait souvent... C'est tout. Ah, regardez, il y a des mecs pendus. Et où est Logan Paul quand il s'agit de s'amuser un peu? Ah! Alors attendez, les gars. Attendez. Attendez. Les gars, bon, vous me forcez à faire ça. Ah, c'était trop court, putain. Allez, on y va, bim. Et bim. À calmer. C'est quoi cette odeur? Maintenant! Ce sont des Éliens? Ils sont vivants, regardez! Préparez les feux! Zygmunt, des couteaux! Tant de jours sans viande fraîche. Viande? Qui? Nous? Reste derrière moi. Et s'ils se transforment comme les autres? On va devoir les maintenir en vie! T'inquiète! Dans la viande. Morceau par morceau. Laisse-moi m'occuper d'eux. Vous êtes des humains. Attendez une ouverture. Quoi une ouverture? Tu es pas. Les gars, je suis un dieu. C'est quoi, j'ai même pas besoin. En vrai, j'ai même pas besoin de ma hache. Voilà, tu te débrouilles très bien. Atreus. Son premier meurtre. Ah merde. Reste ici. Je m'en occupe. Émile, calmez là le gars.
Allez, dodo. Suivant. C'est terminé. Je veux partir d'ici. Alors ressaisis-toi. Ta gueule. Bon, qu'est-ce qui se passe? Pas moyen de faire traverser le pont à cette saleté de bourrique. C'est parce qu'elle a peur de quelque chose là-bas dans les arbres. De quoi tu parles? Père, lance ta hache dans ces arbres de l'autre côté du pont. Tu avais raison. Tu m'as l'air sacrément futé, mon petit gars. T'es bien un petit gars, non? Elle a un nom? Aucune idée. Cette sale bête m'a jamais demandé le mien, alors j'ai pas demandé le sien. Et toi? Brock. Vera Logan. Célèbre Brock Lesnar. Tu vas sûrement pas me croire, mais cette hache que t'as là, eh ben c'est moi qui l'ai faite. Moi et mon frère. Une de nos plus belles réussites. Alors laisse jamais personne y toucher en dehors de nous deux. Tu dois la manier avec grâce, si t'as pas envie de l'esclater. Je peux y jeter un œil et te la peaufiner maintenant, si ça te tente, le balèze. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Tu avais raison. Je ne te crois pas. Viens, mon garçon. Il y a une rune qui a la forme d'une fourche en bas du manche. C'était notre marque, mon frère et moi, avant qu'on se sépare. Regarde, j'en ai une moitié ici. Alors, tu veux que je l'améliore, oui ou non? Très bien. Tâche de ne pas me décevoir. Et ne regarde pas, mais nos amis qui se cachaient dans les arbres sont de retour. Allez, c'est le moment de tester ta hache. Tu sens la différence? C'est passable. Allez, bim! Tiens, c'est comme ça qu'on fait chez moi. Pas sûr. Ce chemin, il mène à la montagne. C'est la bonne direction, oui. Ok, attends. Oh. Attends-moi ici. It was at this moment that he knew he fucked up. Ah, mauvaise idée. Je vais mourir. Hein. Comme lui. Je vais faire comme lui. C'est quoi cette vieille porte de merde? Vas-y. Et voilà. Atreus, regarde ces traces. Peut-être un sanglier. Je suis pas sûr, mais je le trouverai. Vas-y. Les réflexes d'un guerrier doivent toujours rester affûtés. Ah. Oh putain, sale bête. Tiens-toi prêt, mon garçon.
Faites-lui les genoux. Vite. Ah, ça va mieux. Me v'là bien. Putain, mais toi, par contre, tu me casses les couilles. Va te chercher. Maintenant. Allez, c'est fini, fils de pute. Et voilà. Ah bah ça calme, tout de suite. Va chasser le sanglier, gamin. Tire quand tu es prêt. Bande ton arc fermement. Le cuir des sangliers est épais. Ah putain, c'est moi qui dois faire, du coup. Mais je l'ai touché pourtant. J'ai fait comme t'as dit et la flèche a ricoché. C'est un sanglier magique. Qu'en penses-tu? C'est le sanglier le plus étrange que j'ai vu. Alors rattrape-le. Ouais, c'est le sanglier le plus étrange que j'ai vu. Bah alors, on le bute. C'est bon. Le coude bien haut, la main ferme. On se détend. La précision avant la vitesse. Oui. Ne le perds pas de vue. Atreus. Ah putain, puis il y a la brume. Atreus, où es-tu? La gauche, ça venait de là. Atreus! Il ralentit! Je t'entends là-bas, mais c'est peut-être faux. Ah! Je t'ai paumé. Je t'ai paumé! Atreus! Quel pétrin il s'est fait. Je savais pas qu'il était à quelqu'un. Il n'est pas moi, c'est mon ami. Le garçon ne faisait que m'obéir. Alors aidez-moi. Appuyez ici, s'il vous plaît. Appuyez, je vous dis, il perd du sang. C'est le dernier de son espèce dans tout le royaume, et vous le tuez. Vous aviez si faim que ça? Il m'entraînait à tirer. Il s'entraînait à tirer. Je suis tellement désolée. Maintenez la pression. C'est ma faute, j'aurais dû être plus vigilante. Il va mourir? Je ne le laisserai pas mourir. Vous, la flèche a probablement sectionné une artère. Trouvez les deux extrémités et maintenez-les. Sounan Vokan. Vous êtes une sorcière? Je ne peux pas finir l'incantation ici. Ma maison se trouve derrière ces arbres. Vous allez le porter. Il ne faut pas qu'il meure. Pas trop le choix? Bien. Il a l'air stable et apaisé pour le moment. Graisse. Par ici. Tout ça pour un putain de cochon. Cet arc est un peu grand pour toi, non? Ma mère me l'a fabriqué. Elle a dit qu'il m'irait plus tard. Je ne t'ai jamais vu dans ces bois. Tu dois beaucoup lui manquer. Elle... elle est morte. On emmène ses cendres sur le plus haut pic des royaumes. Ses cendres? C'était son dernier vœu. Atreus. Je suis vraiment désolée. Moi avec mon cochon. C'est ici. Vous vivez dans un arbre? Pas dedans. En dessous. Hemele! Regarde! Waouh. Il est inoffensif. Bonjour. Pour le coup, t'es bien planqué. Ça, c'est sûr. Tenez-le bien pour qu'il ne se fasse pas mal. Bien. Doucement.
Pose-toi. Il me faut deux choses. Il y a des racines rouges qui poussent derrière la maison. Tu peux m'en cueillir un pied ? Quoi d'autre ? Écoute. Je sais que tu es un dieu. Pas de ce royaume, mais je sais que j'ai raison. Il ne sait rien, pas vrai ? Sur votre vraie nature, ou la sienne. Ça ne te regarde pas ! Les dieux de ces royaumes n'apprécient pas beaucoup les étrangers, crois-moi. J'en sais quelque chose. Quand ils te trouveront, et ça arrivera, ce ne sera pas une partie de plaisir. Le garçon exigera des réponses. Ça, c'est mon problème. Quoi que tu caches, tu ne pourras pas le protéger éternellement. Mais tu as raison. Ça ne me regarde pas. J'ai aussi besoin de cardamine. Une fleur blanche qui pousse dans le jardin. Une poignée suffira. Bon, cela dit, elle a un joli petit brin de maison, hein. Sympa, là. Vue sur la rivière. Elle est plutôt bien. Avec ça, peut-être. Je l'ai fait tomber ? Pendant que tu poursuivais l'animal. Qu'est-ce qui cloche chez moi ? Si je l'avais perdu. Tu l'as déjà perdu. J'y ferai plus attention, c'est promis. C'est exactement ce qu'il me faut. Il va pas mourir ? Non. Alors nous partons. Attends. J'aimerais te remercier. Tu veux être tranquille ? Cette marque te dissimulera aux yeux des... de ceux qui pourraient vouloir te barrer la route. Loïna. Raccourci sous la maison qui vous permettra de sortir de ces bois sans danger. Descendez par ici. Et suivez la lumière. Est-ce qu'on se reverra ? Autant que tu en auras envie. Maintenant, file de là. Allez, viens.